what the fuck? Oh, mais c'est quoi qu'il fait là, lui? Il est pogné là, le 400 coins. Thank you very much. Hey, toi, tu m'as fait une scratch? Fuck you. Oh, sacrement, man. C'est les petites. Oh, tabarnak. Ah, ok. Et le milestones le plus à chier? 20 agility. Pour vrai, ça m'a duré comme 20 minutes. Ben, GT, maintenant je peux enfin faire le All Carrot Course. C'est exactement ça que je voulais, mais je vais pas le faire tout de suite. Au moins, là, je suis rendu à 20 agility, donc. Ben, NF pour moi. Au moins, mon agility est un petit peu plus élevé, donc je vais pouvoir courir un petit peu plus longtemps, puis mon run va pouvoir se replenish aussi un petit peu plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous vous souvenez de la fois quand j'ai dit que à Barbarian Village, il y a le Stronghold of Security, que vous pouvez avoir de l'argent facile? C'est exactement ça qu'on va faire. Avec le Stronghold of Security, c'est vraiment dans... Ben, c'est une place quand même assez dangereuse pour les low level comme moi. Je veux dire, il y a des ennemis comme level 80 qui sont aggro. Vous pouvez par contre avoir 10k. Et puis une paire de bots qui est quand même cheap defense en début de game. Je veux dire, qui sont meilleurs que les leather boots que j'ai anyway. Fait que c'est ça qu'on va aller faire. Holy shit, c'est probablement l'affaire la plus dangereuse qu'on va faire que, depuis que j'ai commencé cet account-là. Yeah, on s'en va dans ce trou-là et puis on s'en va faire de la stupid shit. Je sais pas s'ils vont me dire comment c'est une place dangereuse. Climb, ouais. You squeeze through the... Ok. Normalement, je pourrais prendre des portals pour aller directement au milieu, mais je pense que j'ai pas... Ok, ouais, je suis pas assez expérimenté pour prendre le shortcut pour aller directement au milieu. Alright. Je sais pas si ça veut dire qu'il faut que j'aille au moins une fois au milieu, puis après ça, je peux prendre les portals, ou ben... Ah, c'est vrai, ils vont me poser des questions. Il y a 4 niveaux, en fait, à cette place-là. Le premier niveau, il est vraiment très facile à passer. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'ennemis qui sont aggro. Il y a des gobelins level 25 qui sont quand même huge, mais ils m'aggro pas. Au moins, ça, c'est correct. Je pense que c'est à partir du level 2 qu'ils vont commencer à m'aggro. Fait que ça, là, je viens juste de finir le level 1. Alright, je viens d'avoir 2 code coins. Alright, fait que cheap money, mais au moins ça va être. Yes. Au moins ça, je vais pouvoir le perdre dans quelque chose que j'aime faire. Je sais pas. On va voir. Il me semble que les zombies sont aggro. Ouais, effectivement. Fait que à partir de là, il faut vraiment que je fasse attention. Holy shit. Ok, level 2 is done. Pour vrai, level 2 était très facile à passer. Lui, il a 3K, right? Ouais, 3K. Donc là, je suis rendu à 5K. Oh shit! Fait que, let's go, on progresse encore. Pour vrai, là, pour vrai, ça commence à devenir dangereux. Level 3, puis level 4 aussi va pas mal être le bain de mon existence. Il faudra que je cours, rester partout. Oh shit! Je me suis... Attends, wow, c'est lui qui m'a fait ça, man! Il m'a fait 5 ou 6? Oh, fuck, man. Bon, ben, ça va être le fun, hein? Oh, sacrement, man. C'est les petites... Oh, tabarnak, man. Ils me font 5. Oh, man. Bon, ben, let's go, I guess. Aussi, ça va être dangereux. Oh, fuck. Box of health, let's go, alright, fait que ça va me guérir, puis j'ai 10k, yeah. Puis quoi, j'ai eu des nouvelles emotes? Ouais, bah, ok, inutile, mais alright. Bon, ok, fait que là, techniquement, je pourrais sacrer mon camp, parce que pour vrai, 10k, c'est bien correct. Avoir les bots, genre au 4e level, c'est pas quelque chose de grandiose à aller obtenir, mais... Parce que je suis cave, on va y aller. Oh shit, man, ça se peut que je meure. Bon, par où qu'il faut que je passe? Par là. Ça, c'est vraiment une zone fucking dangereuse. Fait que je vais économiser mon run pour cette zone-là. Ah, des ghosts level 116, des Enku level 86. Let's go, je suis prête. Okay, je m'en vais là directement. Ah ouais, mange le gâteau. Oh shit, ok. Ah, oh, le truc le plus... Oh, mais non.
You doesn't give a fuck, man. Ok, Alright, fait que c'est passé. Moi, je suis bien content, si, au moins, je vais avoir mes bottes cheapettes, si, pis let's go. Fait que le truc, Cradle of Life, let's go. Maintenant, le choix le plus dur à faire. Est-ce que je veux les bottes arc-en-ciel ou est-ce que je veux ces bottes LED, le fuck off, man. Je vais prendre les fancy boots. Yo, donne-moi les colorful ones. Oh yes, fancy boots, please. Ah, fait que dans le fond, les deux bots ont le même nombre de stats. C'est juste que, oh shit, maintenant je suis fucking plus sexy. Les fancy boots, dans le fond, c'est comme des bronze boots. Ça a le même nombre de stats environ. Même, il n'y a pas d'environ, je pense que même c'est littéralement la même affaire. Lui, c'est qui, lui? Oh well, lui apparemment c'est un NPC qui est nouveau, je l'ai jamais vu auparavant pour vrai, puis mes leather boots je n'ai plus de besoin, fait que fuck it, on va les laisser là. Puis je monte la chaîne et puis on a fini. Mais avant d'aller faire quelque chose d'autre, je suis juste curieux, est-ce que je peux utiliser le portal maintenant? Ouais, ok, parfait, fait qu'il fallait juste que je me rende au middle une fois, puis après ça je peux utiliser les portals. Ok, c'est good à savoir, fait qu'on s'arrête à faire quelque chose d'autre. Avec mes bâtards arc-en-ciel, man. Ah, le musée de Varrock, c'est là, exactement là que je voulais aller parce que en allant downstairs, tu peux parler à un dude, lui exactement, Orlando Smith. Il m'offre. En fait, c'est juste un minigame qui est pas tellement long. Il m'offre du cheap Slayer XP puis du cheap Hunter XP. Je pense que c'est 1000 de chaque. Qui va me rendre comme level 10 environ, ou 9. Je m'en souviens plus, mais au moins je vais avancer les levels de Slayer, parce que Slayer c'est extrêmement important, puis Hunter, parce que Hunter, pour vrai, entraîner le Hunter à un Hunter, c'est extrêmement cancérigène, fait que au moins je vais être déjà level 9 ou 10. Donc, puis aussi Hunter, pour vrai, je déteste ça. Donc, let's go. En même temps, j'obtiens des Museum Kudos, 4 sur 225, pour l'instant, c'est pas très très important, mais ça va devenir beaucoup plus important en milieu de game, là, surtout. Là. Slayer! Oh yes, man! Oh shit, pis level 9 Slayer, level 9 Hunter, 1000 d'expérience de chaque. Alright, man, ça va aider énormément, ça, fait que... Fuck it, I'm out of here, parce que cette place-là, c'est de la fucking merde. C'est pas si long, pour vrai. Si vous voulez du cheap Slayer puis Hunter Experience, allez là. Ça dure 5 minutes, puis pour vrai, 1000 de chaque. Je commence déjà level 9 Slayer puis level 9 Hunter, fait que ça fait du bien. Maintenant, vu que j'ai un petit cash stack de base, genre 10 000 cents, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, en début de game... C'est déjà énorme pour moi personnellement. Okay, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider de faire plus de quests. Je vais probablement plus skipper que d'autres choses, là, mais commencer par The Restless Ghost. Ensuite, je vais aller faire The Plague City. Il se trouve à être là. Qui m'offre, je crois, me semble que c'est Plague City, right? Qui me donne du Mining Experience. Fait qu'on. Genre quelque chose comme 2500, donc Mining Experience, donc je vais être comme level 15, ce qui est une bonne chose. Après ça, on va faire Biohazard, qui est juste là, qui prend justement Plague City pour faire cette quest-là. Et finalement, accomplir le Ardung Diary, que je veux tant accomplir, puisque ça me donne une cape. Cette cape-là me permet de me téléporter à Ardung tout le temps quand que je veux, puis pour vrai avec des téléportes unlimited, donc ça va être une bonne item à avoir en début de game pour me rendre à l'autre bout de la map pour de vrai. Tu sais, Ardung là, c'est genre perdu au milieu de nulle part, c'est ici. Mes téléportations les plus proches, c'est genre Castle Wars qui est là, Port Khazard si jamais j'ai 15 fishing, alright. Mais c'est pas une bonne place, mettons, en début de game, aller là, quand t'as absolument rien. Fait qu'on va faire des quests. En même temps, tant que je suis à l'Umbridge, je vais attaquer un rat. La raison pourquoi je vais attaquer un rat, tant qu'il me tue pas, là,
C'est parce que j'ai besoin de sa viande pour faire la quest qui va venir un petit dans pas très très longtemps, mais en tout cas, Druidic Ritual. Ouais, cette quest-là. Parce que t'as besoin de 3 ou 4 types de viande, me semble. T'as genre besoin de... What the fuck? C'est quoi ton problème, toi? Ah, on m'a y parlé, là. Anyway, il me donne une String Potion. Fait que, why not? Yay! Mais ouais, c'est ça. Pour faire Druidic Ritual, dans le fond, t'as besoin de 3 ou 4 types de viande. Je m'en souviens plus. Puis je sais que du rat meat, c'est une viande, justement, que t'as besoin. Avec beer meat puis cow meat, je sais plus les types de viande qu'il y a de besoin, mais je sais que rat meat c'est near, donc au moins comme ça je vais tout de suite l'avoir puis je vais pas perdre mon temps avec retourner à cette place de merde là. Alright, là je suis rendu à la partie où c'est que je suis en train de voler le skull qui est genre dessus l'altar pour le remettre au ghost, mais je sais qu'il y a un skeleton que... Ah, c'est ça que... Ah, man, oh, fuck, j'ai essayé de le battre. Il est fucking level 13, mais... Attends, je suis juste curieux. Sinon, les NPC sont tellement fucking cons dans ce jeu-là. C'est comme... Je pourrais techniquement, genre, faire ça. Attendre, puis genre... Dans le fond, jusqu'à temps que sa barre de vie ici elle disparaît, je peux tanker comme ça. Parce que sinon, si je vais trop vite, il va m'attaquer en même temps. Comme ça. Mais non, je pense pas de pouvoir le tuer pour vrai, il est bien trop fort, fuck it. Nah, j'ai fait des zéros, ça vaut pas la peine, fuck it, moi je les calise de là, dégage. Alright, donc je parle au fantôme, j'ai trouvé son skull, je le mets dedans le coffin, j'ai fini la quest. Dans le fond, je suis un prayer, je suis 9 combat, on va voir ça va donner quoi. Ah, c'est... What the fuck, man? Je me souvenais pas qu'il y avait une cutscene. Ah. Hey, regardez mes bottes arc-en-ciel super sexy. Bah, ben. Oh, shit, man. Les graphiques de haute qualité. Alright, ok. Fait que 1125 prayer experience. Ok, parfait. Oh, shit, je suis rendu 9 prayer. Mais là, je peux faire... Wow, Mystic Wheel. Fait que dans le fond, ça m'a knocké pas mal toutes les prayers de base. Genre... Increase la defense de 5%, strength, attack, range, puis magic. Tout par 5%, puis je suis 10 combat. Fait que j'ai augmenté d'un level de combat, puis 9 de prayer. Wow, puis en plus, je suis bientôt 10. Donc, techniquement, je pourrais monter level 10, puis unlocker rock skin, qui me permet d'increase ma défense de 10% au lieu de 5. Oh shit, maintenant, il faut que je tank, là, il faut que je ramasse un snipe grass. Ah, tabarouette. Puis en plus, c'est des assassins de Hot Goblins level 28. Décolle ici. Oh man, j'ai déjà plus de run. Oh yes. Oh yes. Oh fuck off. Décolle ici de là, man. J'ai tanké avec succès. Ah, j'avais besoin de ça pour commencer Plague City. Donc. Ah, ça c'est fait au moins. Bon, Edmund. Si, man, ça rappelle mon Deadman mode que j'ai fait quand que j'ai commencé la quest. Ouais. J'ai aucune idée c'est qui lui, mais... C'est ça, comme je disais, ça me rappelle vraiment quand que j'ai fait cette quest-là en Deadman Mode. Puis, il faut que je la refasse. Bon, probablement la chose la plus dangereuse de la quest, essayer d'aller voler un Dwellberries ici. Ah, tout en évitant les Guard Dogs de level 44, que je me souviens plus combien qui hit pour de vrai. Mais je vais économiser un peu mon run parce que je vais en avoir crissement de besoin. Ça me tente pas de me faire combo par ces motherfuckers-là. Là, fait que. Let's go! On va voir qu'est-ce que ça va donner. je pense. Ouh, shit. Je vais aller ramasser celle-là, mais ce chien-là, il est pas mal proche. Si jamais je peux passer par là comme ça va être bien correct. Ok, parfait. Et je décalisse. Fuck it, j'ai eu mon item. Alright, parfait. Tout c'est bien qui finit bien. Je suis pas encore mort. let's go. Bon, ok, cette boring ass quest là devrait être complete. Fait que. J'ai juste allé dans le manhole qui est juste là. Puis. Bon, climb down. Je vais pas close le manhole.
Puis ça devrait me donner une shit tonne de mining experience. Et en plus, avoir accès, mais que j'aille 51 magic, ce qui va être une fucking long à pouvoir me téléporter à Ardung, mais ça sert tellement à rien parce que éventuellement je vais avoir la Ardung Cloak, la cape de Ardung, pour me téléporter gratuitement à Ardung, donc je vois pas le but, mais en tout cas, cette quest-là est faite. Oh my god, 2425 mining experience, un magic scroll, ok, ce qui me donne 15 mining, wow, c'est exactement ça que je voulais parce que justement je peux maintenant miner du iron. Ce qui est extrêmement important parce que... Attends, je peux-tu... Le Blue Rite, c'est 10. Parce que éventuellement je veux faire Doric's Quest qui va me donner beaucoup plus de mining experience de base. Et puis en même temps, Night Sword qui me faut 10 mining qui me donne une shit tonne de smithing experience. Je crois que ça m'en donne comme quelque chose comme 13 000. Ce qui me fait augmenter de level 1 jusqu'à level 29. Fait que je skip littéralement toute la partie bronze puis iron de la chose. Fait que j'aurais pas à miner des cheap ore pour augmenter mon smithing. Ça, je peux le consommer. Parfait. Et c'est fait. Fait que, notre quest de fait, ça, je n'ai plus de besoin. Non, je n'ai plus de besoin de ça. Alright guys, je suis docteur, voyez mon habillement de docteur. Oh yes, oui effectivement je suis un docteur à cause de mon chandail, à cause de simplement ça. Don't get fooled, non, j'ai pas de steel scimitar avec moi, laissez-moi tranquille. Là par contre, il faut que j'aille en haut puis il faut que je tue un mourner. Genre, il faut que je tue ces dudes là. Je peux-tu? Ok. Parce qu'ils sont level 13, puis moi je suis juste 10. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais attaquer lui. Je vais... Oh, fuck off. Me placer... Non, je peux pas. Ok, d'abord. Ici, est-ce que je peux? Oh boy, si je vais crever, man. Attends. Comme... Ok, je vais juste voir si comme ça se fait. Non. Ok, bon ben, il faut que je le tank, man. Alright. Y'a pas de l'air d'avoir de safe spot, fait que... Alright, m'a le tanké, fait que ça, j'active... j'avais activé de la defense point. J'ai emmené mon strength potion que le dude m'avait emmené durant un random event. J'ai emmené de la food au cas où. Je devrais être bon, je veux dire... En plus, je vais faire en sorte que mon attaque soit 5% plus accurate. Fait que. Non, pour de vrai, je vais être bon. Même si ce dude-là, il est level 13, il me fait pas peur. Et voilà, je le hit de 3, man. Puis aussi, j'ai de la food en masse, donc. Et voilà, il va être mort. Bon, j'ai plus de prayer, mais anyway, ce dude-là, il est quasiment mort. Il est mort. J'ai juste mangé un seul gâteau au complet. Maintenant, je peux enfin ouvrir la porte, puis continuer la fucking quest. Oh yes! Tant qu'elle est à côté de la place que je suis en ce moment pour aller avec mes 4 échantillons puis compléter la quête Biohazard, je vais prendre la Bronze Pickaxe qui est là. Puis je vais commencer la quest, en fait pas vraiment commencer, mais Doric's Quest. Dans le fond, Doric's Quest, il y a besoin de, c'est 2 Iron Ore. 4 copper puis 6 clay, mais je vais revérifier pour être sûr parce que pour vrai je suis extrêmement pas sûr. Alright, c'est ça, fait que 2 iron ore, 4 copper puis 6 clay, je vais les miner tout de suite comme ça, ça va déjà être fait. Anyway, je passe à côté de Doric, la maison de Doric pour compléter la quête Biohazard, fait que... Ça va être une autre quest de fête, puis plus de mining experience. Je viens juste d'aller checker, puis la quest m'offre 1300 mining experience. Fait que je vais être comme level 20, probablement. Puis what the fuck, j'ai eu un uncut sapphire en minant du fucking copper ore, nice. Alright, ça c'est fait. Fait que tout est fait avec Doric's Quest. Je drop ma bronze pickaxe. What the fuck, j'ai dit de drop ma bronze... Aha. Je cliquais pas sur Shift, je cliquais sur Enter, alright, ok. Drop la Bronze Pickaxe, je n'ai plus besoin, je n'ai une dans la banque, anyway. Fait que je m'en vais avancer Biohazard, je m'en vais compléter Doric's Quest, puis après ça, je m'en vais compléter Biohazard.
Moi, comme j'ai dit tantôt, je passe à côté de la maison de Doric. J'ai même pas besoin de te parler, je sais exactement ce que tu veux, tabarouette. Yes, I will get you the material. Right, fait que. Il m'a donné une pickaxe? Yo, j'en veux pas de ta shit. Yo, j'étais au matériel, man, that's it. Et voilà, quest complete. La réalisation d'une quest la plus courte ever. What? Aussi, il me donne des coins. Ah, il est tellement gentil. Mais maintenant, ouais, comme j'ai dit tantôt, je suis 18 mining, 43 XP de plus pour être 19. Donc, ça c'est fait. Ça m'a duré 5 secondes. Alright, fait qu'on continue avec Biohazard, puis on termine Biohazard. Oh shit, un autre fucking random. Merci pour ton uncut Sapphire, ça va venir en jeu éventuellement. Et que j'aime ça, moi, les gens qui m'apparaissent devant ma face en train de, pendant que je suis en train de faire mes propres affaires, puis hey, je vais te donner un uncut Sapphire pour aucune Christie de raison. Y a aucun but derrière ça. Ah ouais, je te le donne. Bon, ok, pour continuer la quest, j'ai besoin de Monk Robes. Ben, en fait, pas vraiment Monk Robes, mais plus comme Priest Gown. C'est elle, justement, qui. Ouais, ces deux affaires-là. Ça coûte 5 cents. Puis en plus, j'ai eu un nouveau achievement de Varrock Diary, whatever. En même temps, ça va être important pour le mage. Fait que je vais en acheter un, why not? Puis j'ai même pas contre Mitten, right? YOLO, man. Non, j'avais pas pantoute de mitten, fait que pff, on va m'équipe ça. Puis en même temps, je peux me makeover. Ah, ça coûte 500$. Fuck off. Dude, mon gars, il est déjà assez fucking sexy comme ça. En plus, je l'ai pris de base. Genre, c'est littéralement le personnage de base que vous voyez. C'est genre le personnage de Butters. C'est le personnage que... C'est genre, quand tu t'en calisses pis t'as pas le goût de changer ton personnage, c'est ça que ça te donne de base. Je pourrais me faire un makeover éventuellement, mais pas tout de suite, ça me coûte 500$. C'est genre 5% de tout le cash que j'ai en ce moment. Si j'ai 10 000, là. Vous savez quoi? Pendant que je suis en train de faire la quest, je trouve des os à terre, là. Je sais que tantôt j'avais dit que... En fait, tantôt. Ou un épisode passé, je sais pas trop comment je vais arranger ces épisodes-là, là, mais... Whatever. Je vais ramasser 14 juste pour me avancer un autre... what the fuck, a sea grave scorpion? J'espère qu'il est pas poison. Non, il est pas poisonous, alright. Mais j'ai juste à planter 4 autres os, puis je monte d'un prayer. Et voilà, prayer level 10. Maintenant... maintenant je peux porter le initiate armor. Attends, c'est-tu le meilleur ou c'est... Je me mélange tout le temps. Equipment. Non, proselyte c'est le meilleur. Ok... Initiate, c'est la marde. Proselyte, par contre, c'est awesome. Bon, ok, maintenant, je pense qu'il me reste juste à parler au roi d'Ardung. Si je me souviens. Il est là, ok. Puis la quest, je crois qu'elle est finie, puis c'est tout. Je pense que c'est juste ce qu'il reste à faire, blablabla. Je m'en calisse de qu'est-ce que vous avez à dire. Ouais, je pense qu'après ça, la quest est finie. Qu'est-ce qu'elle m'offre? Je pense qu'elle m'offre du Thieving Experience, right? Ok. 3 quest points. 1250 Thieving XP. Fait que maintenant, je suis rendu level 15. Ce qui est un bon level parce que maintenant, je vais pouvoir enfin pickpocket des ham. Female ham followers. Puis, ça va être très important que je les vole parce que eux autres contiennent les Rusty Sword pour que je puisse accomplir mon Ardung Easy Task. Puis techniquement, j'ai tout pour faire le truc le plus long est fait, qui était de, si je peux, Enter the Combat Training Camp North of West Ardung, qu'il faut justement Biohazard de fini. Fait que la quoi c'est fini, puis je peux enfin continuer à faire mon Achievement Diary de Ardung et avoir la fucking cap. Pour de vrai, je sais même pas pourquoi Monk's Friend c'est une quest. C'est tellement fucking useless comme quoi c'est genre j'ai perdu ma blanket, va chercher ma blanket. Un de mes frères il est sous, va chercher mon frère, puis va le dessouler. Puis on fait le party. C'est Christ de quest inutile, calice, man.